Re-YouTube également, formidable. Ok, nous continuons la partie de Potion Craft en Early Access. Donc, beaucoup plus avancé que la démo, mais avec des features qui ne sont pas encore arrivées. Mais déjà, c'est très satisfaisant. Allez, on entame... Non, j'ai pas entamé ma nouvelle journée. Je vais dormir, je débute une nouvelle journée. Je vais me coucher. C'en est trop, je vais me coucher. Tanana, il sort ce soir sur Steam. À quel prix, je ne sais pas. Certains avaient l'air de dire 10 euros, d'autres 12, d'autres 200. Alors. Ok. J'ai 352 balles. Oh, encore lui. Bonne nouvelle, hier j'ai enfin reçu une nouvelle machine alchimique. Cet appareil vous intéressera sans aucun doute. Ah, ça c'est pour mon labo en bas là, pour les embrouilles. La fabrication de solutions de la machine alchimique est l'apogée des arts alchimiques. Broyer des herbes et concocter des potions dans un chaudron sont des tâches complexes, bien sûr, mais une machine comme celle-ci vous fera passer un cap dans la création de potions. Si vous pensez être en mesure de résoudre le mystère de la pierre philosophale et d'autres substances légendaires, vous allez devoir passer beaucoup de temps à manipuler la machine pour trouver les meilleures recettes. Combien ça coûte? What the fuck? Combien? 1500 balles. Je vais prendre des feuilles pour mon carnet, hein. Ça sera déjà pas mal. 210. Au revoir. Salutations, je travaille à l'atelier d'armes et passe mes journées à affûter des épées et des dagues. J'ai affilé des centaines de lames, je connais mon métier, mais j'arrive toujours à me couper par simple maladresse. Il me faut une potion. D'accord. Tiens, soigne-toi, innocent. Par contre, on négocie, hein. 52. Et il faut plus d'icônes là, sinon on va jamais y arriver aux 52 balles. Voilà. Il y a une maison dans notre village où jadis vivait une sorcière. Elle est morte il y a fort longtemps et plus personne n'a habité sa demeure depuis. Mais dernièrement, d'horribles cris s'en échappent à la nuit tombée. Les villageois veulent désormais réduire la maison en cendres, mais pas avec n'importe quel feu. Il paraît qu'un feu enchanté serait plus fiable. Oui. Les feux, je connais bien. En galère, hein. Il va falloir qu'elle y a la sorcière ou l'herboriste là. I need resources. J'ai un puits dans ma propriété et depuis peu il en sort des bruits terrifiants. Mes voisins et moi avons longuement écouté ces sons. On pense qu'à un monstre essaie de grimper à la surface. Ainsi j'ai décidé de jeter une bombe dedans pour tuer la menace dans l'œuf et condamner le puits. Tu veux une potion d'explosion? Ah oui, mais merde, j'ai plus le porte-à-soufre. Du coup, faut que je la refasse en mode éoflor cloche-feu. Je vais sauvegarder la recette. Hein. Explosion, c'est là. Pas de panique. Hop. Allez. Tu veux du feu en plus? Ça vaudrait plus cher. Mais il serait capable de me dire « Oui, j'ai pas envie d'avoir un deuxième effet, c'est un peu chiant. » Je m'en fous, j'ai remis une deuxième. Oh non. Bah, quoique, si on veut de l'explosion, on veut du feu aussi, quoi. Comme ça, on est sûr, quoi. Mais non, c'est de la lumière. Ah oui, non, mais débile. Bon, ça fera une exposition lumineuse. Ça fera feu d'artifice en même temps. T'es bon esprit, non? Non, mais c'est bon. Ça le fera. Ça va l'effectuer, comme on dit. Bon, par contre, on lui fait une 3 en explosion pour qu'il douille un peu, hein.
peu d'eau là, on ramène vers le centre. Paf. Attends, reprendre. Concocter la potion à partir d'ici. Par contre, j'ai plein de recettes inutiles qu'il faut que j'efface là. Potion forte d'explosion et de lumière. Bon bah démerde-toi avec ça. Hein. Enfin, la lumière, c'est pas grave. Excellent, cette potion est parfaite. Bah voilà. Ça sent très cher en plus. 156. C'est un bro. Ah oui, quel plaisir. Depuis quand êtes-vous herboriste? Depuis toujours, pour autant que je m'en souvienne. Petite, déjà, je coupais à travers champs pour me promener dans la forêt. Observer la nature, étudier les plantes. En fait, c'est une affaire de famille. Les anciens m'ont tout appris. Bravo. Comment ça? Pourquoi c'est en augmentation la cloche feu à 30 balles, là? Je suis dans la merde, moi. Et je peux lui vendre des trucs. Ah, mais j'y vends des trucs pas chers. Ah, mais je peux lui vendre des potions pourries. Une potion de rebond. Non, mais ça me servira plus tard. Oh, le Dorépine, excellent. J'ai toujours pas utilisé mon Nimbus 2000, là. Non, mais il est hors de question que j'achète des cloches-feu à 30 balles. Elle se fout de ma gueule. Hein. Non, c'est trop cher. Hein. Allez, on négocie ça, tiens. 32. Oh, c'est le Wisher. C'est le Wisher. Bonjour, l'alchimiste. Aidez-moi à me réapprovisionner en potions. J'en avais plusieurs en réserve, mais la dernière chasse s'est avérée plus sauvage que je prévu et j'ai tout bu d'une traite. Il me faut une potion qui accélère la guérison des blessures, de préférence peu toxique. Ah quoi, genre il faudrait une potion de soin avec potion de croissance? Il veut juste une potion de soin en fait. La chasse est votre métier? Je peux dire ça, mais je ne traque pas les animaux, je chasse des créatures, trolls, ogres, ghouls en tout genre, voire des harpies. En général, mon gibier est fantastique, mais ça paye mieux. Mais il veut une potion de soin là, il m'en fait des caisses, mais il veut juste une potion de soin. Arrêtez de me casser les couilles. Tiens. Voilà. Allez, ça fera l'affaire. C'est le Wisher quand même. Récemment, j'ai décidé de faire pousser un petit jardinet sur mon balcon. J'ai déjà acheté et disposé toutes les plantes à mon goût, mais elles vont prendre une éternité à pousser. Ok, elle veut une croissance rapide. On avait fait une, mais je l'avais sauvée ou j'avais fait de la merde? J'ai l'impression que j'avais fait de la merde. Alors, on l'avait trouvé au pif et on n'avait pas optimisé le truc. Bon, c'est parti. Croissance rapide, c'était en bas, non? C'est ça. Alors. Il y a peut-être un monde où je vais me faire baiser. Attention. Est-ce que je frôle tout trop les os? Oh! Bravo. Ah mais elle va être de piètre qualité. Dangereux ça. Ah, c'est dangereux si je veux l'XP.
Sérieux ? Bonsoir. Bon, j'enregistre pas cette recette, on fera mieux une autre fois. Bravo. On aurait pu mieux faire. 80. Qu'est-ce qu'il veut le borgne, là ? Le bricourt qui a sorti vit dans le coin et qu'il aurait une balafre étrange sur le front. Comment ça ? Mon unité a reçu l'ordre d'arrêter, mais il possède une cape d'invisibilité. Il me faut donc une potion pour révéler sa position. Vision magique ? Oui ! Bravo ! Elle nous a coûté si cher, on l'avait trouvé au pif. Bravo. 143, c'est le max. Avec mes amis, nous avons trouvé une carte marquée d'une croix rouge. D'après les plans, l'endroit qui nous intéresse se situe non loin d'ici. Ce doit être un trésor enfoui. Nous pouvons arriver sur place à la nuit tombée. Nous avons besoin d'une source de lumière pour voir où creuser. Tiens, prends ça, là. Je vais m'en débarrasser. Oh merde, j'ai loupé, c'est pas. On est presque à 100 de répute. Nous sommes envoyés des dieux, les amis. Envoyés des dieux. T'as 1500 balles pour acheter ça, là. Oh là là. Allez, je parie. On termine la VOD, on aura acheté ça, c'est sûr. Je me demande si lors de la vente, quand on négocie pas, on gagne pas plus de répute. Ah, peut-être, mais il est en hors de question. Tout sera négocié jusqu'au dernier eurocent. Ah ouais. Ah mais lui c'est ouais, il vend ses trucs beaucoup trop cher. Ressemble à un petit gâteau, laisse un goût de terre en bouche. Mais c'est censé nous emmener très très loin. Qu'est-ce que je fais de ma bouteille d'eau? Attendez, j'arrive. Et j'ai toujours pas, faut que je teste, hein, faut que je teste le Nimbus 2000. Car je ne sais pas si c'est de la merde en boîte ou pas, ces cristaux qui coûtent si cher. Ça a l'air de nous faire téléporter très très loin, mais j'ai peur. En fait, je pense qu'on... Ouais, non. Le truc le plus logique, c'est qu'on navigue, en fait, jusqu'à la TP. Et tout le reste se fait d'un coup. En blink, ça doit être ça. En TP, quoi. On va tester. Je vais le tester au pif, le cristal Nimbus. Adieu, alchimiste. Mes compagnons et moi-même partons chasser les sangliers. J'ai la certitude que nous en faucherons au moins deux. On en vendra sur le marché, on retirera l'eau directement dans la forêt. Il nous faut de quoi lancer un feu de camp ou nos plombs tomberont à l'eau. Oui, bien sûr. Ah, je suis en galère de machin, là, de cloche-feu. Tiens. 91. Ah maintenant ça coûte 2. Ça coûte 2 le pognon maintenant. Oh les petits salauds, ah les petits salauds. Save la partie en test la pierre. Ah on peut faire ça? Bonjour. Y'a aucun descriptif quoi, faut pas se louper hein. Non mais c'est pas grave. Salut à vous. J'ai essayé de pêcher un poisson coriace, vous n'allez pas me croire, mais ce petit monstre peut cracher du feu. La dernière fois il a fait fondre ma canne à pêche. Vous n'avez pas une potion de gel pour mon appât? Les poissons crachent à la flamme? Et pas seulement, j'ai un nom pour pêcher les poissons bizarres. J'ai déjà attrapé un piranha et même un poisson zombie. Les poissons cracheurs de flamme, je connais. Ah oui, une potion de gel, on peut te faire ça bien sûr. Ah, je suis à 100 de répute. Je suis envoyé des dieux. Bravo. Lors d'une empoignade avec des bandits, l'un d'eux est parvenu à me désarmer. Alors j'ai dû me saisir d'un de leurs couteaux à main nue. Comme vous pouvez le voir, j'ai gagné ce combat, mais j'ai de profondes blessures. Tout ça pour une potion de soin. Quelle vie. Bête. Ah merde, j'ai oublié de relancer le sèche-linge. Bête.
Ok. Et voilà. Ah, bonjour, ça se passe bien? Ouais. Ça fait presque 50 ans que je cueille des champis. J'ai commencé à me promener dans la forêt quand j'étais môme. C'est devenu mon chez-moi. Maintenant, j'ai une cabane dans les bois. Je viens en ville juste pour rendre les champignons que je ramasse. Et que je consomme, bien sûr. Ok. Oui, ça, c'était bien, le porte-à-soufre. Bah voilà, un peu de promo sur tes champis, là. La dernière fois, c'était scandaleux. Ah oui, le champignon mage, il me permet de faire de la mana en deux. Mais ça coûte si cher. Que le problème, c'est que moi, je me souviens qu'il y a l'autre con qui me vend la machine à 10 000 balles, là. Enfin, 1500 balles. Vas-y, je m'en fous. Je prends 10 champis mages. Bah, ça coûte rien, ceux-là. Faut tout prendre. 488, en sachant qu'on va négocier sûrement 100 balles dessus. Voire 200. Ah non, j'ai failli faire marché conclu. Oulala. Moins 146. Ok. Donc, 342. Oh, j'y étais. Bravo. Au revoir. Des blatons envoient mes caves à ma cave. Il y en a partout sur mes réserves de nourriture à l'intérieur de mes sacs de céréales. C'est horrible. Tu veux du poison? Tu veux de l'acide sinon cette... Ouais, non. Ça aurait pu fonctionner avec de l'acide. C'est elle qui fait sa mijorée. Putain, mais j'ai plus du tout de cloche-feu. What a life. L'engin s'éloigne, oui et non, parce que... Merde. Merde, merde, ça y est, je pète les plombs. J'ai mis de côté pour... alchimiste local. Oh là là. Les marchands disposent de 50% d'ingrédients supplémentaires. Bravo. Je me suis enamouré d'un jeune homme. Il ne ressent guère le même sentiment et cela me rend folle. Il me faut une potion qui puisse m'aider à gagner son cœur. C'est legit, ça? Déjà, il faut que... Ah oui, ils font un basket tout à l'heure. Hein. Mais là, je peux pas faire de basket. Je suis malade comme un yinche. Fais chier, là. J'ai loupé deux sessions de basket. Faut que je refasse du sport. Je vais mourir. Putain. Toutes ces OPSP pour finalement crever dans un siège de gamer en train de jouer Hearthstone. Lamentable. Ok. Une potion de poison. Non, mais elle veut une potion d'amour machin. Mais je sais pas si c'est legit de lui faire une potion d'amour machin. Dans un bureau de 7 mètres carrés. Avec 1 mètre carré praticable. Putain, mais cet appart, quoi, merde! Pardon. Alors. Bah, c'est vrai qu'on serait bien, là, avec ce, le petit décor en fond, là, la musique à mort. Ouais, merci, Eltan, hein, merci beaucoup. Hein. Ok, alors. On serait déjà en train d'enregistrer avec Val, là, qui sortirait de la douche italienne. Putain, mais la potion d'amour, elle serait où? Enfin, j'ai vraiment envie de me faire chier parce que là, c'est un délire. Hein. Attendez, je vais utiliser mon cristal qui pue. C'est parti. Hein. Enfin, j'ai juste là. Et là, attention, on teste. Et on le moule, le cristal? C'est quoi le bail? Ah non, j'aurais dû le moudre jusqu'au fond. C'est vraiment une TP, donc on évite les eaux. Ok. Je pensais qu'il fallait d'abord aller sur le truc de TP, mais non. Bon bah au moins on le saura. Enfin, c'est fort alors. Hein. Ça m'a permis de faire le tour de cette merde. J'ai rien pour aller en haut, c'est dramatique. Hein. Ah oui, ça c'est l'air. En deux, je peux faire une potion de mana. En deux. Loulis, loulis. Okay.
Allez, on part à l'aventure. Hein. C'est de l'XP, comme on dit. Oh oui, là, on prend des bouquins, là. Ça, ça sent bien le plan cul, quand même. Hein. Vas-y, j'ai 29 trucs comme as. Oh, ça passe, faut juste aller très vite. Je vais prendre le triple XP là. On fera deux, hein. Pas mieux. Et encore. Ouais. C'est quoi ça? Potion d'invisibilité. Bravo. La carte a toujours la même, il me semble. Hein. Ensuite, il y aura peut-être un mode random après, mais... Non, mais c'est où l'amour? C'est l'amour, mour, mour. Ah non, mais fais chier, cloche feu, j'en ai que 9. Je peux pas me permettre, là. Ah, c'est très chiant, hein. Ça sert à rien d'aller vite. Si, ça sert à aller vite quand il y a les eaux. Ça, c'est une réalité, par contre, il me semble. Je ne sais plus. Non, ça sert à rien. Ok. Habite, alors. Ok, c'est l'amour, mour, mour, mour. Elle me fait chier, elle. Ça te dirait pas de rentrer chez Watt? Non, mais voilà, non, au revoir. Voilà, je gagne de la réputation. Ouais, mais du coup, mon échappe est moins populaire, mais c'est pas grave, voilà. Tu me fais chier. Je traque une goule ancienne. Les flèches remondissent dessus, elle ne craint ni le chaud ni le froid. D'autres prétendent qu'elle est immortelle, mais je l'ai vue fuir dans son antre pour s'abriter d'un orage. Elle craint les éclairs, la foudre. Ok. Ah, j'ai pas sauvegardé une potion de foudre. J'ai toujours fait comme un sac à merde, c'est ça? Attendez, la foudre. En haut, là. Ah, mais avec mon cristal, là. Back in the day. Allez, tant pis, hein, je vais utiliser des zéoflores. Hein. Là, ça aurait été mieux d'utiliser le champimage, mais moi, j'essaie de trouver des trucs avec des ingrédients pas trop chers. Et encore, je dis ça, mais je suis dans la merde. Pas peur. Ça, j'en ai pas mal, mais ça serait nul. C'est pas grave. J'enregistre pas, c'était honteux. Je suis assez déçu, j'ai loupé le T3. Mais j'ai envie d'acheter le truc. Qu'est-ce que c'est que cette rogue? Quelqu'un a eu un accident dans le jardin. Âme sensible s'abstenir. Je dois faire pousser rapidement des fleurs et de l'herbe pour cacher cette vision d'horreur. Oh, j'ai envie de dire, l'aider à cacher un corps, est-ce que c'est vraiment immoral? Ah, mais j'ai pas non plus de raccourci pour la potion de croissance. J'ai besoin d'argent, hein. Je veux dire, non mais c'est pas immoral, je veux dire, la personne est déjà morte. Hein.
Ah oui, c'est ça. De toute façon, les cendres réputes, je sais pas à quoi ça me sert, hein, là. On a vu aucun... Moi, ce qui est important, c'est pas la popularité, hein. Ah, la personne est déjà morte, bon... Elle veut rendre service, hein. Parfois, c'est important de savoir prendre des décisions dures à prendre, mais où on sait que c'est pour le bien, quoi. J'en ai beaucoup de ces merdes. Intéressant. Attendez, je tente un clutch move. Bravo. Alors par contre, tu vas payer un petit peu quand même, hein, parce que ça a pas l'air très légal cette histoire. Il t'en coûtera quelques deniers. Moins 30 de réputation. Ah ouais, mais c'est bon, je suis redevenu alchimiste local. Et j'ai encore une réputation angélique. C'était un accident, une erreur de parcours, une erreur de jugement. La France est plus grande que mes erreurs. $880, on en est loin de cette machine, hein. Cette machine dans ma tête. Ok. Bonjour. Bonjour, je suis un primeur et je dois souvent transporter mes fruits sur de longues distances. Certains ont tendance à pourrir sur la route à cause de la chaleur. Un ami m'a dit de verser une version de gel au fond de... D'accord. Très bien. Potion de gel, c'est ma spécialité. Mais j'ai besoin de... Ah, attendez, avant de commercer, attends, voilà. Oh là là. Attendez, c'est quoi là, les pros de la technique? On va partir sur commerce. Oui, bien sûr, ça sera plus cher. Salutations, notre unité se prépare à attaquer un camp de bandits dès demain. Nous voulons leur tendre une embuscade en pleine nuit quand leur chef sera sur place. Il faut de quoi éliminer la zone et aveugler les bandits. Bien sûr. Bandit Banda. Ah, c'est bien, on se fait du pognon là. 83 donc. Aise. Hier, j'ai trouvé un chiot abandonné dehors. Quand je l'ai ramené à la maison, je me suis rendu compte qu'il était blessé. Bien sûr, on va le soigner, ton petit chien, avec une potion de soin. Voilà, tu l'aimes ce chien, tu peux dépenser 12 pièces d'or de plus. Je veux dire, tu considères ce chien comme un animal noble, pas comme une merde trouvée par terre. Ah, bonjour, vous voulez faire affaire? Je crois que certaines de mes herbes vous plairont. Ah, bien sûr. Vous ne savez toujours pas ce qui fait tout pousser si vite dans votre jardin. C'est votre arbre enchanté, bien sûr. Un spécimen rarissime autour duquel peuvent s'épanouir tout type de plantes. Même celles qui devraient normalement pousser dans des conditions tout à fait différentes. Oui, c'est ça, oui. Mais pourquoi tout est si cher chez Watt? Je la déteste. C'est cher. Moi, j'ai besoin d'économiser 1500 balles pour la machine d'alchimie. Je vais bien t'acheter des bananes velues, quoi. Allez, je t'achète 7 bananes velues et je veux plus jamais te voir. 123, moins 36.
87. Bravo. Au revoir. Alchimiste, il me faut une potion de soin. J'étais... Ouais, bon, d'accord. D'accord, tu sers à R. Tiens. Potion de soin, ça se vend pas cher, là. Respectez-moi. 54. Aise. Allez, allez. Merci, Sean Lobo. Il ne regardera jamais les onglets dans les shops. Mais les onglets dans les shops, c'est juste pour catégoriser les trucs. Mais par défaut, on est sur la vue tout. Donc on voit tout. Ah, c'est l'ordure, lui. Salutations, aujourd'hui, il me faut de l'acide. Ne me décevez pas. Si tu l'achètes plus de 100 balles, on discute. Je vais faire semblant de n'avoir rien vu. Ok. 305, ça serait bien, hein. Voilà. Moins 30 de répute. Oui, non, mais de toute façon, j'ai l'impression que ça sert pas à grand chose, hein. J'ai envie de dire, avoir une morale pour le business, ça a pas l'air de servir à grand chose. Bonjour, j'ai besoin de votre aide. Le tavernier du coin m'a demandé d'inventer une bière spéciale pour les clients particulièrement chahuteurs. Ils boivent trop et ont l'alcool mauvais. Ah, un somnifère. On devrait peut-être pas laisser entrer des poivrons dans la taverne. Et puis quoi, fermer boutique? Ce sont eux qui boivent de l'alcool et rapportent de l'argent. Et ça fait partie du charme des tavernes. Mais c'est vrai. Ça se tient. Ah mais le somnifère, c'était à l'autre bout du monde, là. C'était à l'autre bout du monde, c'était pas à droite. Oui, zzzz. Ok. J'ai que des trucs pour aller à gauche maintenant, voilà autre chose. Ah mais vraiment, le seul truc qui va à droite que j'ai, c'est l'aquaflore. Au secours. Ça coûte rush, hein. Mais je l'ai mis directement, espèce de con. Oh, le drame. Je vais en gâcher un de plus. Ah oui, c'est sûr. Là, ça suffira pas. Ah ouais, ouais, un drame. Un drame. Il y avait une doublette. Ah, soin et somnifère. Ah, dommage. C'est vrai qu'on aurait pu faire. Trop cher. J'ai plus de place dans mon carnet. Hein. Il va falloir que je delete. Genre celle-ci qui est pas optimisée, mais c'est pas grave. Ok, 85 plus 110. Ah, mais moi j'ai envie d'avoir accès à la machine. La machina. La personne dont j'aimerais m'occuper du cas, pour ainsi dire, va souvent au bain public. Cette personne trouve que la vapeur est bonne pour la santé. Vous n'auriez rien à ajouter au seau d'eau pour que cette vapeur soit moins saine? Quoi, du poison? De l'acide? Du poison ou de l'acide qui veut? 53? Oh non, là, j'ai à 55 de répute pour 53. Ça commence à faire beaucoup, là. Hein. Touche à ton cul, va. Ok. 1482, si on peut négocier la machine d'alchimie, c'est bon, hein. C'est le moment. Qu'est-ce qu'il me faut pour terminer mon chapitre 3? Créer une potion avec 3 effets différents, réparer la machine alchimique. Créer une potion avec un nom, une apparence personnalisée. Faut juste que je mette un nom, ok. Potion de charme, potion de furie. Ah oui, la potion de charme que j'ai pas faite. C'est chier.
C'est le jeu complet, mais en early access. Ah, te voilà, toi. Bonjour, et bien l'heure n'est-elle pas venue d'ajouter une ou deux feuilles à votre livre? Oui, c'est vrai. Et il vient d'où ce papier? En fait, je connais ma mage et enchanteur à qui j'achète des articles en grande quantité. J'en utilise moi-même, puis je revends ce dont je n'ai plus besoin en dégageant une petite marge. Non pas pour me faire de l'argent, mais pour maintenir des relations cordiales avec les autres alchimistes. Alors, vous m'en achetez? 1400. Et tu sais quoi, je suis de bonne humeur, je te prends deux feuilles avec. Parce qu'elles sont bien en solde. Par contre, on négocie, hein. Moins 462. Ok. Donc, 1078. C'est ça, hein. J'aurais pu y prendre des feuilles en plus, mais maintenant, je sais que je retourne pas en arrière, hein. Oui, Didi, très vite. Mais je peux renégocier, là? Bah, génial. Ok. Énorme. 96. Je me respecte pas, là. Ok. Attendez, je vais voir ma machine. Il vous faut des pièces détachées pour l'améliorer. Mais attendez, j'avais un plan quelque part. Recette légendaire. Là, il faut mettre une potion de soin, il faut mettre 3 de soin. Ça compte pour 3, ça? Ça compte pour 3 doses, vu que c'est une forte? Normalement, oui, hein. Ah oui, c'est bon. C'est check. Là, il faut 2 mana plus 2 mes couilles. Là, il faut une potion... Il faut du feu. Un de feu, donc faible. Feu, gel, foudre, lumière. 3 acides de poison. Ah mais tout ça, c'est pour faire les cristaux de nimbus de couilles, mais ça coûte trop cher. Jesus Christ, dude. Peau de pierre. Croissance rapide, sommeil. Ok. Faut que ça soit en une potion ou ça va fonctionner? Je peux... Ah non, d'accord. C'est une potion qui a vraiment tous les effets. Oh oui, putain, ça va être une sacrée aventure de merde. Il y en a d'autres à gauche, comment ça, il y en a d'autres à gauche? Ah oui. Ah oui, mais faut d'abord créer cette œuvre-là pour avoir les autres sets. Ils nous ont volé notre set. Ok. Bonjour, Aronda est tombé. D'accord. Et la pierre philosophale, hein, c'est le but. En tout cas, c'est satisfaisant. Mais vivement quand même qu'ils approchent de la version finale, parce que là, bon, certes, on va avoir ce délire avec les laboratoires de l'alchimie, mais quand on regarde tout ce qu'ils voulaient foutre sur la version complète... Là, que ça serait rigolo. Voilà, le fait qu'on puisse customiser le jardin derrière, plus... Enfin, il faut que tout soit customisable, en fait, pour que la durée de vie soit folle. Le final du jeu, c'était cette pierre philosophale, ouais. Il a besoin d'une potion pour geler de l'eau. Et bien sûr. Eh, hey, mais j'en ai toujours pas sauvegardé. Si. C'est sûr que ça sort, oui. L'early access à dispo à 18-19h.
Ensuite, il compte le match pas mal. C'est juste que là, il rentre en early access parce qu'il considère qu'il y a déjà quand même assez de contenu pour pouvoir s'amuser avec. Et pour prendre les feedbacks. J'ai planté des baies. Maintenant, j'ai hâte qu'elle me donne des beaux fruits en... Tu veux de la croissance rapide. J'ai une petite recette avec des champignons, là, de vieux man. T'inquiète. 124. Ah bah tiens, parlons du loup. Bonjour, oui, qu'on fait affaire, on a jamais trop de champignons. Et vous faites autre chose, à part cueillir des champignons et les consommer, visiblement. Prends du bon temps. Je bois du thé aux champignons, bien au chaud, ma cabane au four et bois, et je rédige mes mémoires. Sinon, je pars en balade pour donner à manger aux écureuils. Aïe, 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 aïe. Joue sur la League Access, oui. En théorie, hein. Sauf s'ils ont pas débloqué le truc, mais ça m'étonnerait. Vu que c'est la version press. 8-4 pour des champis marrons. Oh là là. 14 pour des champis rouges. Et moi, dès qu'il y a des soldes, je ne réponds plus de rien. Ah oui, non, mais ça fait quand même une somme. J'ai un peu pété les plombs, non? Mais c'est en solde, quoi. C'est quand même en solde, hein. J'ai un peu pété les plombs, quand même. 352. Putain, mais j'aurais pu bourrer le caddie comme Jaja. Le problème, c'est si on bourre trop le caddie et qu'on fait mal le calcul, bah lui, il se barre. Mon mari m'a quitté pour une autre femme. J'ai enfin trouvé leur petit nid d'amour. Je ne supporte pas l'idée qu'ils soient heureux dans les bras d'une autre. Je veux qu'ils sentent les flammes de ma jalousie. Je vois leur cocon et leur sentiment partir en fumée. Quand même. Écoute, si tu me payes un très bon prix... Non mais c'est une femme trahie quand même. Elle a le droit, elle a son mot à dire. Alchimie, j'ai besoin d'une potion qui donne plus de force et fasse de moi une bête de combat, comme si je valais 10 hommes. J'ai pas une potion de force, tout simplement. Une potion de croissance rapide, c'est pas forcément... Non, croissance rapide, c'est pour... C'est pour les plantes seulement. Potion de charme, potion de furie. C'est peut-être ça, potion de furie. Si c'est dans le 3, c'est ça. Va falloir commencer à s'aventurer à nouveau alors. Le problème d'aller à gauche, c'est que les cloches-feu, ça se fait rare. Ah mais j'ai acheté des champignons rouges. C'est parti pour les champlats rouges. Faisons ça déjà. Allez. Passion, farmer des trucs. Ouh. Qu'est-ce qu'on branle? Je n'en ai aucune idée. On se balade, hein. On voyage.
Oh là, on l'a naturellement, regardez. Regardez la beauté. C'est quoi ? Comment ça ? La potion de la base. On est en avance sur notre temps. Hein. Normalement, c'est le prochain chapitre. Ah oui, j'aurais dû le renommer en Viagra, la Viagra Nation. Mais je peux faire ça. Viagra. Merde, mais du coup, ça m'a coûté trop de ressources. C'est pas grave. De Viagra. Ok. Hey, mais je cherche toujours donc une potion de furie ou de force ou de mes couilles. Tac, à droite, on a des trucs. Ah, mais j'ai plus beaucoup d'aquaflore, quoi. Je suis dans la merde. C'est coûteux, hein, toutes ces merdes. C'est très coûteux. Je demande des dingues. Je fais des dingues. Oh, vous avez eu ça ? Voilà le fast tout potion de mana. Bravo. Ah, et ça, c'est encore mieux en fait. Champignon mage et chanterelle obscure. Ah, mais c'est que j'ai pas de truc pour aller à droite quasiment. C'est la merde. C'est peut-être pour ça que j'allais pas à droite, hein. Je veux voir de plus loin. Que je fais. Je vais farmer jusqu'à l'infini. Que j'ai 45 heures. Champi de ce type. Je parcours le monde. Ta potion, tu vas te la foutre au cul, voilà. Mes enfants ne dorment plus la nuit, n'arrête pas de s'inquiéter. Ah bien sûr, mais... Tu vas leur donner un gros somnifère. Je sais pas où est le problème, hein. J'ai pas de quoi faire la recette, parce que j'ai plus de champignons verts. Oh non, c'est encore avec des aquaflores. Ah mais oui, c'est à droite. Oh là là, mais vous me cassez les couilles. Il me casse les couilles. Ok, pas de panique. Tu pouette pouette pouette. Aïe 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 aïe. Et moi je suis sympa, je vais les soigner. Je pourrais les soigner en plus. Non mais c'est un vrai plan cul parce que pour aller à droite j'ai que ça. Ah oui mais j'avais mal fait, je me souviens, j'avais pas assez touillé. Je vais bien touiller.
Je sais pas si j'ai un intérêt à faire double effet quand c'est pas nécessaire. Puis ça les aurait soignés en même temps, j'aurais peut-être dû le faire. Ah mais du coup ça va même pas être une optique quoi. Ensuite il y a sûrement ça. Non même pas. C'est de la merde. Non ça pue le sexe. À moins que... Non ça giga pue le sexe. Ne vous inquiétez pas, je maîtrise la situation, c'est faux. C'est faux, tout est un scandale, rien ne va. Au secours. On est vraiment dans le mal là. Hein. Ah, c'est vrai que je commence à avoir une réputation neutre. C'est pour ça que je fais des efforts. Hein. Je peux pas négocier qu'avec des bandits, quoi. Un effort d'honnêteté qui est très très dur à faire pour moi. Tout va bien, alchimiste ? Personne ne vous a acheté de mauvais sort ? Rire. Je suis plutôt fatigué aujourd'hui. Un simple rire m'épuise. Ah, une potion de mana. Oh, bien sûr. Ah zut ! Putain, j'ai jeté la chanterelle qui me permettait de la faire en deux. En deux. Qui pourrait me jeter ma addiction ? Je suis pas la seule sorcière de la région, ni la plus effrayante. Génial. C'est une menace ? Quoi que si, hein. Des rushs, mais ça se fait, hein. À ce moment-là, faut que je garde vraiment ça que pour ça. Hein. Ah, mais en fait, c'est peut-être fait pour que j'aille jusqu'au bout. On dirait, hein, ouais. Magnifique. Tiens. 85 plus 25, 110. Allez. Il faudrait qu'on s'attaque aussi à la première recette de la machine d'alchimie légendaire, mais tellement cher en ressources. Je viens de vérifier, le prix du jeu n'est pas le même dans le dossier de presse. Ah. Eh, mais j'ai un dossier de presse en plus, moi. D'un coup, ça m'est revenu. Potion Craft. Ah, mais je suis pas sûr qu'il parle de prix. Non, j'ai pas le prix. C'était à boule de gomme. Comment tu récupères les ingrédients dans ton jardin et en commerçant avec certains marchands qui viennent te voir. Mais voilà, on a un jardin magique où déjà tous les jours on récupère des trucs. Encore lui ! J'apporte des cristaux rares, pas donnés, vous cherchez ? D'accord. Mais si t'en as en solde un jour, hein. Pyrite tellurique. En fait, c'est bien pour aller essayer de trouver une potion du pif. 84, c'est presque ok. Bon, je te prends ça. Pour explorer en haut. Ok. 69. Non, même pas 59. Hop. Ah, encore le pêcheur fou. Avec mes copains, j'ai fait le pari de pêcher un certain poisson. J'en suis capable, seulement ça risque de faire mal. Cette bestiole peut vous arracher la canne des mains, on va vous faire plonger dans l'eau. J'irai pas sans l'une de vos potions. Mais t'as besoin de quoi ? T'as par exemple une potion qui me donne des forces. Comme ça, je finirai par l'attraper ce poisson. Sinon, je pourrais essayer d'utiliser un appât soporifique. Soporifique, je connais, mais ça nous coûte cher. Ah, j'ai plus les ingrédients, c'est vrai. Putain, j'ai pas sauvegardé l'autre.
ça me coûte des milliards d'aquaflore. Et d'un autre côté, j'ai pas trouvé la potion de force, donc bon. Ralentissement, ça le ferait pas. Faut que je fasse gaffe, parce que si on leur propose des mauvaises potions trop de fois de suite, ils se vénèrent. Ralentissement. Eh voilà. Eh oui, tu pourrais le ralentir ton poisson. Pas mal, non? Allez, parlons argent. Ah, je m'en suis enfin débarrassé. Alléluia. Je l'ai retrouvé, le bandit qui a oxy mes compagnons. Il est énorme et il porte une armure de pied en cap que nulle lame ne peut percer. Néanmoins, je n'ai guère besoin d'épée et je tremperai une flèche dans le poison. Je tirerai à travers la visière son casque, sa mort sera lente et douloureuse. Ah tiens. Le poisson. Et je me demande si je peux essayer de faire des gambles comme ça, de leur proposer mieux. Genre si je lui file une potion de ralentissement, poison, machin. Est-ce qu'il est doublement content et il me paye masse de pognon? Je sais pas. Mes pommiers ont donné très peu de fruits cette année. Que vais-je pouvoir vendre au marché? Vous n'avez pas une option pour améliorer la récolte de pommes? Mangez des pommes. Une potion de Jacques Chirac. Quoi? Pas de la croissance rapide que tu veux? Tu veux de la libido? Merde alors. Qu'est-ce qu'elle veut? La lumière pour les pommes? Aussi, possiblement. Hein. Prends ces lumières, cette potion de lumière. Oh là là, la troisième fois, elle va rage quit. Et qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle me casse les couilles, enfin? J'ai rien là-dedans qui pourrait... À la récolte des pommes? Une potion d'explosion? Ah non, ils ont donné très peu de fruits. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Non, mais croissant, je lui ai donné. C'est le premier truc que je lui ai donné. Elle m'a envoyé chier. Non, c'est pas une histoire de rebond. Parce que c'est pas qu'elle arrive pas à récolter ses pommes, c'est qu'il n'y a pas assez de pommes. Peut-être une mauvaise traduction, peut-être, mais... Je vais utiliser ma pépite, comme dans le cul de ta meuf. Attendez, regardez bien. Ne faites pas ça chez vous. Regardez bien. Hop là. Mais c'est pour aller en bas celui-là. Ma vie pue. Ma vie pue officielle. Évidemment que je la perds, espèce de con! Merci à tous. Lumière plus croissance, oui, je pourrais faire un combo, mais les deux, elle m'a envoyé chier. C'est-à-dire, il n'y avait même pas l'ombre d'un doute. Dans son esprit, c'était clair que je pouvais aller me faire foutre. J'ai une idée, mais ne reproduisez pas ça chez vous. Hein. Déjà, je vais arnaquer le game. Je vais lui foutre du soin là-dedans. Si elle est pas contente, ça sera la même. Hein.
Une blague. Ah déjà, hein. Hop. Alors. Je vais utiliser mon truc. Ah mais du coup, je récupère l'XP au passage ou pas? Peut-être pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ouais, c'est ça. Test des queutrues. Regardez ça, je m'enfonce dans les profondeurs du monde. Ah, on peut passer à travers les eaux à droite, là, en mode YOLO. J'en suis sûr. Je regarde déjà ce que je suis en train de faire. Où suis-je? Au secours! Oh, un peu, hein. Mais ça continue, mais ils sont sérieux! Coach. I've made a huge mistake. J'en ai 42 des champis marrons, hein, donc on y va. Hein. Quelle aventure, quelle aventure! Oh, je vais me faire baiser. Oh, 100%. Oh non! Roi te baise. Ah mais je suis au bout de la map là. Là il y aura rien. La baise est absolue. Very nice baise. It's a very nice baise. J'ai cœur. Oh, what a baise! Un truc dans le cercle d'os. Ah, c'est sûr, mais. Ah non, dans le cercle directement, non. Non, mais attendez, c'est une belle aventure quand même qu'on vit ensemble. Mais c'est sûr, c'est que dans des endroits étriqués. Là, c'est que de la baisse que je suis en train de faire. Je trouverai R. Mais bon, c'est pas grave, on découvre de la map, quoi. Je passe un bon moment, c'est faux. La potion la plus chère du game. Mais on est où, là? J'ai rien d'autre pour aller à droite, c'est quand même un cauchemar, quoi. Ma vie pue. Il y a vraiment R, là. C'est très impressionnant. Potion de soin la plus chère du game. Regardez, on va trouver un truc. Pour vous que je fais ça. Regardez. Mais évidemment qu'il y a R. Tout est dans les corridors de merde avec les eaux, quoi. Ce qu'on a fait là, c'est du flan, quoi. Tout ça pour les pommes de l'autre conne, là. Oh là là, quel cauchemar.
Au moins, on vient vers la gauche, c'est la seule bonne nouvelle. J'ai quasiment rien pour aller... Oh là là, il y a plein de ressources, là. Non, c'est un cauchemar. Putain, j'ai plus que 3 champignons mages, alors que c'est trop important. Oh là là... Please. Ah, tout est dans les petits couloirs. On a bien ouvert la carte, hein. Là, là, je suis sûr, il y a un truc. Attendez, on va aller voir quand même. R, il y a R. Piste de l'eau pour revenir vers le centre. Ah oui, c'est vrai. Non mais attendez, là, là j'explore... J'ai encore des choses à explorer. Ce n'est que le début de mon aventure. Oh, si je meurs là, je suis un génie. J'en profite d'en avoir 30 des trucs. Ah oui, on l'a vu à gauche. Il y a un truc. Mais c'est un coche. On voyage, on voyage. Mission la plus chère de l'histoire du jeu. On a level up encore. Bravo. Que j'ai une ressource pas trop chère qui me permettrait d'arnaquer le game. Parce que je vous avoue que... Oh non mais j'ai rien. Ben ça c'est cher. Quoi, fleur, ça coûte rush, quoi. Vas-y, allez. Potion forte de soins et de récolte abondante. On a fait tout le tour. Ok, c'était bien récolte abondante, ce spot. Bon, il y a du soin en plus, hein. Ben voilà, c'est de la merde, elle est pas contente, mais on peut même pas négocier. Bah ben, tu l'achètes et tu fais pas chier. Pourquoi vous ne vendez jamais les mêmes herbes? Je ne cache jamais les mêmes 2 jours d'affilée. Je connais mon plantureux, mais ils se noyaient les uns des autres. Il faut bien que nouvelle pousse ait le temps d'apparaître. Et d'accord, ouais. Oh! Oh! À négocier par contre. Hein. Bon, je pourrais pas acheter autre chose, hein, mais au moins, on se remet bien sur les fleurs de base. Les fleurs qui permettent d'assurer les 4 points cardinaux. Bravo. Level up négo, c'est trop cher. C'est 2. Économiser là. Au revoir. Oh, Guerra. Le Wisher. Rebonjour, l'alchimiste. Les habitants d'un village voisin m'ont demandé d'anéantir les ghouls qui les terrorisent depuis quelque temps. Elles nicheraient quelque part, à proximité immédiate. Pour détruire leur nid, il me faudrait une bombe. Quelque chose de combustible, à la rigueur. Oui, bien sûr. Une potion d'explo. N'avez pas appris à préparer vos potions, hein, cher Wisher? Oh, je connais quelques recettes, évidemment, mais dans le cas présent, j'aime mieux faire appel à un professionnel. Assure. J'ai urgence, sans compter que je préfère passer mon temps libre en compagnie de demoiselles ou devant des tables de jeu. Assure. Assure le Wisher.
Bonjour alchimiste. Aujourd'hui, les gardes de la cité vont attaquer les bandits par surprise. Il me faut une potion explosive. Je voudrais lancer quand les sirènes sont assis dehors de la forte cause. D'accord. Parfait, parfait. On fait du BF. 166. On fait moult BF. Bonjour, j'ai besoin d'une potion soporifique pour mon époux. Ah! D'accord, il ne faudrait pas qu'il me surprenne en train de m'enfuir avec tout son argent et ses biens précieux en compagnie de mon amant. Je crois que ça le bouleverserait, vous ne croyez pas? Quelle raclure! Tu as combien, 62 de répute? Non, vas-y, casse-toi. On m'a demandé donc s'il y a un monstre qui attaque les voyageurs la nuit. Donc un disque, il est invisible. Je veux dire, si cela est vrai, mais je voudrais une potion qui permette de voir ce qui peut être vu. Ah, c'est con, tu voudrais pas juste être invisible pour faire armes égales? Ah, il veut de la vision magique. Qu'est-ce que j'avais fait pour vision magique? Ah bah parfait. C'est plutôt économe. Tiens. On est pas mal là, on est en route là. On est en roue libre. Ah, j'ai juste... j'ai plus qu'à accumuler du pognon et commencer la quête de la pierre philosophale, là. Une fois que je ferai vraiment du pognon et que j'aurai beaucoup de ressources en main, je pourrai tout faire en autopilot, là, ce qu'ils me demanderont. Quand j'aurai toutes les recettes. Il manque quoi, créer une potion avec trois effets différents? Charme et furie. D'accord. Le jeu à 20 balles. J'avoue, c'est un peu cher. J'avoue, c'est un peu rush. Alors. Ok. Pour voir ce que donne la version finale, quoi. Mais c'est chill, hein. Salutations, alchimiste. Ça fait longtemps. Alors, vous voulez m'acheter ou vendre quelque chose? Montre-moi ce que t'as. La dorépine en solde. C'est un peu bizarre, ça. Ensuite, ça doit être bien pour viser les centres des... des points, vu que ça fait n'importe quoi, tu peux te placer où tu veux et foutre un coup de flotte derrière. Donc c'est pas dénué de sens. Oh, pas cher le bout d'épine. Moi, je ne considère que ce qui est en solde. Hein. Tout le reste, ça m'oppresse. Ah oui, on voit que là, à la revente cher, par exemple, il y a ça. Mais bon, cher, entre guillemets. Hein. Enfin, investir dans le commerce. Allez, c'est pas mal, ça. Moins 99. 233. Oh là là, oh le strike. Au revoir. Bonjour, les bestiaux de notre village sont malades. Notre voisine a déjà perdu une chèvre et sa voisine un mouton. Maintenant, c'est ma vache qui vit du même mal. Vous avez quelque chose pour aider mon fidèle bovin à se regardir? Elle me fait peine et notre ferme a besoin de lait. Potion de soin? À moins qu'elles veulent une potion de peau de pierre, mais ça m'étonnerait. Voilà, on fait du bif, on stocke des ingrédients, on se prépare à la phase finale. C'est vrai que j'arrive à 50 aussi, la popularité de la folie. Les renards s'attaquent à mes poules! Ok, du poison, bon ça va. Elle veut sauver ses poules, voilà, enfin c'est la vie de la ferme, on tue des renards quoi. 69, bien sûr. Salutations, Madame Twerks, la gérante de la maison close locale, est venue me demander de créer pour son établissement une bière spéciale qui aiderait ses clients à se libérer et à veiller en eux leur bête intérieure. J'ai de la bière, mais je ne vois pas où je pourrais trouver cette bête-là. Sauriez-vous comment faire rimer mon breuvage avec sauvage? Il y a une maison close en ville? Ouais, c'est pas trop mal, les filles sont jolies, et puis... En fait, je sais plus, c'est mon ami qui m'en avait parlé. Tiens, prends ce Viagra. Oh. Oh, ça se vend cher, hein. C'est normal, hein. Le sexe, ça fait vendre, c'est connu. Ok. Paf.
Ah, c'est pas une raclure, lui. Hier, hors de la cité, des gardes et des bandits se sont affrontés au cours d'une violente escarmouche. Beaucoup de blessés étaient à déplorer, et nous autres guérisseurs, avons passé la nuit à leur porter secours. Nous avons réussi à sauver tout le monde, et cela nous a demandé beaucoup d'énergie, et je cherche donc un moyen de régénérer mes pouvoirs magiques. Tu veux une potion de mana? Avec deux champignons mages. Bon, c'est la Hesse, mais... c'est fait pour ça. C'était leur propriété principale. 100. 10. Bravo. Ah, besoin de champis. Ils sont franchement sortis de leur forêt. Regardez, il y a encore de la rosée matinale dessus. Et quelques verres, mais ceux-là, je vous les fais gratis. Ah, ils sont complémentaires. Comment se fait-il que des champignons poussent sur votre chapeau, espèce de clodo? Ah, c'est beau, hein? Ce sont des champignons très particuliers. Pour les humains, ils n'ont pas l'odeur, mais les bêtes sauvages détestent les renifler. Quand j'étais jeune, j'en mangeais avant de partir en forêt. Et puis j'ai pensé à en faire pousser sur mon chapeau. Très bien. Y'a rien en solde! Je le déteste! Salaud, escroc, va! Allez, va retourner sniffer des champis! Ah, c'est con, parce que chanterelle obscure, c'est bien quand même, hein. Il me manque des trucs pour aller à droite, notamment. Ah, les deux, là. Oh, ça me casse les couilles, mais vas-y, vieux. Le business tourne bien. Oh là là, 507. Bon, allez, moins 52. 152, il y a moyen. Allez. Oh, lui, c'est l'ordure. Salutations. J'ai besoin d'une potion qui me permette de me cacher des yeux de témoins gênants. C'est une requête complexe, mais je vous sais capable d'y répondre favorablement. Ah, ça tombe bien, j'ai des potions d'invisibilité. Combien? J'ai envie de dire, ma réputation peut en prendre un petit coup pour aider un escroc notoire. On a besoin de fonds. Seigneur Balkanis, voilà. Au moins 4. Ah, mais j'ai gagné plus 15 de réputation. Alors que c'était une requête d'enfoiré, et j'ai perdu de la popularité de magasin. Ah, c'est bizarre. C'est parce qu'il est très populaire, Seigneur Balkanis. Ah, je lui ai pas vendu. J'ai mis ce clic. Merde, mon pognon! Attends, mais comment ça, je l'ai pas vendu? Elle est plus dans mon truc. Mais qu'est-ce que... Mon pognon! Notre village prépare une fête locale. Il y aura de la danse, des réjouissances et des montagnes de nourriture. Nous comptons accrocher des lanternes partout dans la rue et les faire brûler pendant plusieurs jours. Quelque chose qui brûle plus longtemps que de l'huile ou des bougies. Tu veux du feu magique ou tu veux de la lumière magique? Ouais, voilà, c'est bien ça. Ah, fais chier! My pognon, Balkanis! En plus, là, ça va me faire gagner la réputation alors que je suis à fond. Alors vivement qu'il y ait une ordure qui vienne me voir pour que j'accepte immédiatement. Ma vie est faite... Ah, peut-être elle. Ma vie est faite d'aventures et j'ai récemment découvert des catacombes antiques. Je crois que des trésors extraordinaires se trouvent dans leur entrailles. Pourquoi? Car un golem de fer bloque le passage. L'ennui, c'est que ni le feu, ni le poison, ni le froid ne peuvent l'abattre. Il me faut autre chose. De la foudre. Ah, j'ai toujours pas une recette de foudre correcte. Maintenant, j'ai beaucoup de ressources, donc ça devrait être easy. La foudre, c'est en haut. On va le faire en mode standard. Hein. Vraiment en mode weak sauce. Il me faut vraiment des ressources standard. Ça, c'est un truc qui va à droite, puis à gauche. Puis en haut. Oh non, et si je la perds? Oh, je vais la perdre. What a Kekos. On l'appelle le Kekos. Ah non, ça passe. Pas une ressource semi-rare, mais que j'ai beau... J'ai en masse maintenant. Ah, ça, c'était presque bien. Oui, c'est vrai qu'il y a ce truc-là aussi, la spirale de mon cul. Ah, elle fait quoi, la spirale de mon huc? Intéressant.
Mais de l'eau. Ah, attends, mais l'eau, elle me ramène. Ah oui, elle me ramène. Attends, mais est-ce que l'eau suffira? Ouais, non, pas vraiment. Attendez. Osef, en vrai. Hein. Pas très économe, mais au moins j'aurai une recette, quoi. Je crois qu'elle est parfaite, là. Bravo. Tiens. C'était bien évidemment la foudre. 139. Oh là là, on voyage. Ah, faut que je perde de réputation. Il y a peu, j'ai réussi à mettre la main sur un coffre. Mais sa serrure est si complexe que je ne parviens pas à le forcer. Et le coffre en lui-même est si résistant que même une masse n'y parviendra pas à bout. Ah merde, c'est pas un truc vilain. Moi, j'aurais bien voulu un truc vilain. J'aurais bien voulu qu'elle me fasse faire une saloperie bien crado. Là, j'ai l'explo avec 3 et 3. Et là, 2, 2 et 1. Vas-y, ça. Ah, j'aurais voulu du crado. Putain, mais Balkanis, quoi. Balkanis, mes 200 balles. Je regrette tout. Reviens, Patrick. Ah, mais si, c'est mauvais. Parfait. Oh, c'est du vol, quoi, mais voilà. Elle vole un coffre. Non, mais ça pourrait être un coffre dans un donjon, on sait jamais, hein. En vrai, hein. Ah tiens, alors voilà lui. Grande nouvelle, mon expérience du récit, j'ai enfin pu créer du sel du néant. Oui, du sel du néant, c'est un truc dramatique pour concocter des potions. Toutefois, vous aurez besoin de la machine alchimique pour en préparer. Autrement dit, le processus de fabrication n'a rien de facile. Si vous voulez relever le défi, je veux bien vous donner la recette. Entre collègues, je vous ferai simplement payer un prix symbolique. Symbolique! Ce dernier efface progressivement la voie tracée, c'est-à-dire. Je vais te prendre ça en attendant, hein. Oh là là, tout est si cher. 196. Salaud, va. Ma grand-mère a toujours voulu planter des pommiers et des poitriers dans son jardin. J'ai commencé à en planter, mais ils mettront beaucoup de temps à pousser, bien sûr. Et mon aïeul n'est plus tout jeune. Vous avez peut-être de l'engrais magique qui les ferait pousser comme les haricots magiques de contes de fées. J'ai ça. Ah, c'est pas le truc des récoltes, ça marchait aussi. Mais ça se trouve, je lui faisais un combo croissance rapide plus récolte de mon huc. Et il me donnait beaucoup plus d'argent. Tenter les combos wombo. Poirier, ouais. Bonjour alchimiste, mon métier me met toujours dans les situations impossibles entre les voleurs qui me tirent dessus et les bandits qui me poignardent. Enfin, c'est très difficile, mais ce qui compte, c'est de défendre les citoyens de cette ville. Bref, on dit qu'une potion permet d'avoir une peau dure comme la pierre. Bon, elle est nulle, mais je te la vends parce que je sais pas quoi en faire. Et comment faisiez-vous sans potion avant? Bah, il y avait un guérisseur par ici, il m'aidait beaucoup à nettoyer, à bander mes blessures. Un beau jour, il a disparu, plus personne ne l'a jamais revu. Bon, je la revends pas cher, mais au moins, c'est, je ne dépense pas de ressources. On écoule les stocks. Hein. La porte métallique de ma grange est rouillée, et je ne peux plus y entrer. J'ai besoin d'une potion qui m'aide à ouvrir cette fichue porte. C'est peut-être un peu extrême, non, l'explosion? Bon, écoutez, utilisez ça, elle va s'ouvrir, c'est sûr. 166.
Ah, vous avez besoin d'herbe aujourd'hui? Mais comment vous faites pour entasser autant d'herbe dans votre sac? C'est fascinant! Rien de plus simple, j'utilise un sac magique. Il est bien plus profond qu'il en a l'air. Sans ça, je ne sais pas ce que je ferais. Rien en solde? Non, mais elle m'a pris pour son klebs ou quoi? Vraiment parce que j'ai du pognon et que l'autre truc est beaucoup trop cher de toute façon. Hein. Putain, j'ai envie de prendre des fatralgues, ça va loin. C'est rush, quoi. Vas-y, j'en prends 10. 340. Bien, ça fait travailler le calcul mental en même temps. C'est vraiment un jeu, hein, satisfaisant. À la sorcière. Bonjour, alchimiste. Très bientôt, je devrais participer à un sabbat avec d'autres sorcières. Dans une région lointaine. Cependant, je dois d'abord enchanter mon balai pour le faire voler. En principe, les sorcières s'enchantent toutes seules, mais le temps presse. Soyez ma, rendez-moi service. Oh, mais j'ai pas de potion de vol. Oui, voler sur un balai? Comme toute sorcière qui se respecte, non? Même si je ne vole pas très droit. L'autre fois, mon vieux balai s'est cassé et je n'ai pas intérêt en douceur. J'ai dû en acheter un autre. J'ai pas encore eu le loisir de l'enchanter. Peut-être le rebond? Non. Moi qui pensais pouvoir m'en débarrasser. Mais comment on le fait voler, son balai? Soin, poison, gel, mana, vision véritable, rebond, foudre, explosion, lumière, feu, libido, acide, ralentissement. Je crois qu'il est temps de partir à l'aventure. J'en ai que 22, je pensais que j'en avais beaucoup plus. Et maintenant, évidemment, c'est des aquaflores que j'ai à l'infini, alors que c'est à gauche que je vais aller. La vie pue le sexe. Petite banane, là. Petite banane plantain. Faut suivre les petits traits. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai consommé beaucoup de drogue. Suivre les traits, c'est simple au final. Et qu'on sait qu'il y en a une là. Certes. Mais... Si ça se trouve, il y en a des cachés. J'y crois pas. Ah, c'est 12,49 sur Steam finalement. Putain, mais personne n'est d'accord, quoi. 12,49... Selon les syndicats, 20 euros selon la police. $49, c'est un bon price. Ok, ça sera parfait. Fury. La recette est pas si dégueu. Ok. Oh, il y a invisibilité là qu'on a découvert. Il y en a une là, à l'autre bout du monde. Au secours, il y en a une là-bas aussi. Mais qu'est-ce qu'elle me demande? Et elle me demande quelque chose qui est même pas dans mon niveau 3. Ça veut dire que j'étais censé déjà valider mon chapitre 3, mais je l'ai pas fait. Il me manque potion de charme et créer une potion avec 3 effets différents. Parce que là, j'ai découvert des trucs à l'infini. Proche du rebond, ça pourrait avoir du sens, mais... Quel cauchemar, je sais même plus où il est le rebond d'ailleurs. Et donc du coup je suis vraiment allé là-bas comme un idiot alors que il est évident qu'il y a même pas, il y a, là, même là il n'y a pas de potion là.
Je vois pas de trait en tout cas. Je suis pas vénère. Là-bas, très loin, le rebond, il est là. Bon, pour le lore, on va quand même aller en haut, là. On va essayer de découvrir. Pour le lore. Petit, c'est le lore. Ok. Hop. Bravo. Ouh. Là, ça va être technique, hein. Là, ça va être très technique. Et peut-être qu'elles apparaissent seulement une fois découvertes. Ouais, c'est pas impossible aussi. J'ai pas les petits trucs techniques, là. Ah, ça, c'est trop technique, là. Ah, la spirale de mes couilles. Très décevant. Ok. Je reste frais. La vie, c'est de la merde. Je peux m'énerver, hein. Mais c'est à l'autre bout du monde. Il y en a deux. Oh, je vais faire une double, hein. Rien à foutre. Comme ça, je le saurais. Oh merde, j'aurais dû prendre un effet au pif ailleurs. Comme ça... Comme ça, j'aurais fait ma triple potion. Oh, la spirale de mon huc. Pas si bien que ça. Ah, parfait, ça. Ok, on a trouvé charme. Allez, courage. Ça, j'en ai 75, on peut y aller, hein. Ah merde, j'aimerais bien récupérer, voilà. Voilà. Oh, le con. Ok. Ok. Alors. Y a pas un truc pour faire un bel arc? Ah, ça, c'est pas mal. Mais c'est mon dernier champignon du cul. Mais y a ça! Insane. Enfin, oui. Ouais, non, ça m'arrange qu'à moitié, en fait. Non, c'est merdique. Ça me fait chier de claquer mon champignon mage, mais... C'est ainsi. Les démarches. Oh, le triple bouquin là, bon, il est pas vert, mais il faut que je regarde la ligne. La ligne, elle est droite. Il y a peut-être moyen d'arnaquer le game.
maintenant, et là, c'est là que ça joue. De lévitation et de charme. Bon, bah, tu seras un peu foncedé, quoi. Un peu foncedé, c'est pas grave, quoi. Tiens. Voilà. Oh, ça vaut cher. Hein. En même temps, c'est tellement galère à faire. Et on va la vendre 444 balles. Ouh. Bravo. Tous les gars de mon escouade ont des épées magiques et je les ai toujours enviés. J'espérais trouver un moyen d'enchanter mon épée, moi aussi. Avec du feu, peut-être, ou de la foudre. Ou bien il suffirait de la tremper du poison. Le hic, c'est que si je venais à me couper, que choisir? Oh putain, et lui, je vais lui faire une triple. Je vais lui faire feu, foudre, poison. Et il va me sucer. Et en plus, je ferai mon achievement. Ok. Ah, attendez, feu, c'est là. Foudre, c'est là. Poison, c'est là. Ok. On va faire foudre, faut faire poison. Déjà, il faut pas confondre poisson et poison. Comment j'obtiens ça? Oh, le bout d'épine. Le bout d'épine va être décisif. Attention, là on est vraiment dans l'alchimie de haut niveau, de haute volée. Quoi ? Ok. Ah oui, parce que j'ai plus de place après. Ah du coup, faut que je fasse du T1 sur les autres. Faut que je fasse du T1 sur les autres, ok. Si, je peux faire 3, mais faut que je fasse faible et faible. J'ai le droit qu'à 5 max, c'est ça ? Non mais c'est pas une erreur. Enfin, c'est pas grave. Si c'est 5 max, j'ai juste à faire faible et faible. Oui, double T2, T1 aurait été mieux, mais on a fait ce qu'on a pu, quoi. Ah, j'ai 2 points de talent. What the fuck, les bros? Hop, le pognon. Merde, et au floor, commence à être la galère. Hein. Et c'est parce qu'on commence à faire des trucs trop compliqués. De toute façon, je m'en fous, elle peut être faible. Donc là, c'est parfait. Voilà. Et maintenant, let's go. To the foudre. Mais je suis con, je pouvais la ramener. Putain, mais j'oublie tout le temps que je pouvais... Ah oui, putain, là, j'ai gâché 2 trucs parce que... Bon, c'est pas grave. Mais non, mais du coup, pourquoi je fais ça? Espèce de connard! Il a fumé ou quoi? Ok. Ok, ok, I get it. C'est bon. C'est la fatigue. Et du coup, je vais utiliser des ressources que je n'ai plus, c'est-à-dire le feu de mes couilles. Insane. Insane. Voilà. Il faut que je fasse une faible. Je veux juste mon XP. Voilà.
Est-ce que c'est vraiment rentable d'aller pêcher les bonus verts? Peut-être de la carotte, ça, la pratique alchimique, hein. Bon. Tiens. Je peux tout faire avec ça. Excellent, cette potion est parfaite. Bravo. 570, pas cher payé, hein, pour toute la galère qu'on s'est donnée. Demain, j'ai prévu d'aller voir un ami, mais mon époux se méfie et ne me lâche pas d'une semelle. Il est tellement jaloux. Il me faut une potion qui me permet de filer en douce de la maison. Tiens, prends cette potion d'invisibilité. Putain, 210 pour la qualité médiane, enfin, qualité moyenne. Oh là là. Ça donne envie de se donner, hein. Ensuite, j'ai amélioré mon marchandage, mais tout de même. Elle aurait payé combien? 400 balles pour une forte? Ouais, voilà, moins 10, c'est un petit drama, quoi. Il est cocu comme Jaja, ça arrive, hein. 17h42, bon, les dernières journées, là. Ensuite, je deviens un homme de famille respectable. Go home and be a family man. Le jeu est sorti, le jeu est sorti. Enfin, je sors en early access dans une heure et quelques. Tituti, grâce à Konala qu'on a la clé en avance. J'ai Pierre, vous achetez? Vous savez qu'on va être sur Terre? Ouais, sous la montagne, main de créature. Oui, non mais c'est sympa. Oh, attends, c'est en solde. Un gros solde sur la citrine, sur la cyprine brûlante. Ah si, je vais prendre les trucs en solde, parce que c'est quand même bien pratique. C'est juste très cher. Oh, on peut le baisser de 68 en plus. Royal. Parfait. Salutations, je me prépare à affronter un sorcier capable de lancer des boules de feu. Il me faut trouver un moyen de renforcer mon bouclier. Afin qu'il ne fonde pas au moment le plus inopportun. Gel ou peau de pierre? Peau de pierre plutôt, non? Pas sauvegarder de ressources, de recettes, je pense. Ah, rebond, vous pensez que ça fonctionnera? Non, non, non. Nan. On pourrait faire un pot de pierre et gel. Gel est là. Pot de pierre. Ah, le pot de pierre, il est où? Il n'y a rien à voir. Rien à voir, fils unique. What the fuck, les amis? Ah, il est là, pot de pierre. Est-ce que je fais gel et pot de pierre? Moi, je pense que c'est de la carotte. Hein. Continue la concoction à partir d'ici. Donc là, il a mixé. Hein. Oui, elle est mixée. Mais du coup, elle est forte. Mais c'est pas grave, je fais une 2 en pot de pierre après. Chiant, parce que j'en ai plus beaucoup de ça. Reviens avec l'eau. Oh putain, j'allais encore faire la connerie. Hein. Merci à vous les gamers. Tout va bien se passer. Le multi-timeout. Ah, c'est vrai que je suis un peu amnésique, hein, mais c'est partie de mon charme. Hein. Ah mais du coup c'est trop bien ce truc là pour aller là. Cette plante est extraordinaire. Non mais je vais jamais crever là. C'est impossible. Le problème c'est qu'il me faut une... Ah bah parfait ça. Une fois de plus. Putain, ouais, je vais prendre toute cette XP, là. Faut qu'elle soit 2, hein. Et si c'est 3, du coup, il se passe quoi? Ça marche pas? Ah, ça passe en prio. On préfère peut-être avoir pot de pierre à 3, alors.
Oh, elle est belle, hein. Je l'enregistre. Enfin, s'il est pas content, hein, franchement, qu'il aille bien se faire foutre, hein. Je vais acheter cette potion, mais à bas prix. J'aimerais avoir une potion sans effet secondaire. Il voulait juste Pierre. Hein. Vas-y, ça m'a saoulé. C'est une sale idée, en fait. Salutations alchimiste, ça vaut une potion pour restaurer les pouvoirs magiques. Oui, tu veux une potion de mana. Ah, mais j'ai plus les champis magiques. Du coup, je vais devoir la faire à l'ancienne. J'ai une potion de mana à l'ancienne, oui. Ok, 115. Le combo. Le combo tant attendu. Ah, qu'est-ce qu'il veut pêcher, lui, encore? Il y a un poisson fou dans la région. Tous les pêcheurs le connaissent. Dès qu'il voit un hameçon, il s'affole et il nage comme un dératé. Il casse toutes les lignes. Je voudrais tremper mon lapin dans une potion qui pourrait le ralentir. Ah, zut, j'ai plus ralentissement. Pourquoi ne pas simplement pêcher des poissons ordinaires? Ah, c'est barbant. On reste assis à glandier devant ses cales à pêche, on chasse les moustiques. Ouais, je veux traquer et pêcher des poissons extraordinaires. Chacun nécessite une approche unique et un appât spécial. Seul un pêcheur expérimenté peut les attraper. Sans compter qu'il rapporte plus. Elles doivent bien rapporter, hein, parce que mes potions, hein, ça commence à douiller. Hein. Ralentissement. Bon, un peu rush, mais ça se fait. Hein. Tiens, c'est parfait, ça. Bon, je pourrais l'endormir aussi, mais j'ai la flemme. Tiens. Il serait capable de me dire qu'il veut pas de double effet. Hein. Aise. Ah! Ah bonjour, aujourd'hui, comme toujours, j'ai les champignons de qualité supérieure. Regardez, celui-là, il est pas énorme. C'est ma bite. Ok, alors, si énorme. En fait, vous avancez dans vos mémoires? Eh bien, je viens d'achever le chapitre qui raconte mes voyages dans le Nord. Je suis tombé par accident dans une crevasse, et j'ai mis 3 jours à me sortir de ce piège de glace. Et j'ai survécu grâce aux champignons des neiges. Ils n'ont pas très bon goût, mais ils sont nutritifs. Oh, belle réduc sur les étronges. Merci, vieux man. Ok. Hop. Champi gobelin, bah c'est pas si nul. Vas-y, je suis de bonne humeur, là. Ouais, quoique, j'ai du pognon, hein. J'aurais pris... Oh putain, il a 36 champignons mages, mais ils sont un peu chers, quoi. Oh, la cime truffe! Qu'est-ce que c'est que cette trajectoire? L'enca préféré des nécromanciens, nous dit-on. Assez rush quand même. Hein. Alors, ensuite, les champignons, on adore ça, mais quand même. J'en prends une dizaine quand même. Oh là là, ça douille. Hein. Ça douille très cher. Et 5 cimes truffes. Oh, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Hein. Moins 234. Ouais, parce que là, mine de rien, le sel, la recette du sel de je sais pas quoi là. Ça coûtait 2400 ou un truc du genre. 4800 pour l'autre partie de la machine. Oh là là. Au revoir. Ah, il y a Balkanis. Je ne suis guère du genre à affronter des monstres en face. Je préfère les pourfendre sans finir au cimetière. Parfois, il est plus aisé d'utiliser des flèches empoisonnées, de frapper un monstre à bonne distance et d'attendre un peu. À ce propos, il me faut du poison violent. Je laisse le reste aux plus intrépides. Aise. On pourrait faire poison plus acide, hein. J'ai la flemme. Hop là. Mais ça vaut rien, quoi. Un poison de forte qualité, ça se revend que dalle. C'est ouf. Faut qu'on vende du Viagra, là. Les potions de libido, ça se revend trop cher. Vas-y, Balkanis. Ah merde, mais du coup, il va me faire perdre de la répute. Ah non. Il va pas me faire perdre de la popularité. Il va juste me faire perdre de la répute. Là, je vais vendre plus cher, du coup. C'est du génie. Salutations, je cherche une potion qui brouille les sens et embrume l'esprit. Ok. Il veut une potion de charme, non? Probablement une potion de charme. La confusion, j'ai pas vu encore. Potion de drogue. Ouais, c'est une potion de charme.
C'était loin, non? C'était là. C'était loin. Attends, mais j'ai acheté des cristaux. Ah, mais ça, c'est pour aller en bas. Dommage. Et l'autre cristal? Pour aller à droite. Dommage. Voilà, à gauche, d'ailleurs. Ah, elle pourrait me servir. J'ai deux recettes. J'ai pas de recette de charme. Non, j'ai pas enregistré les recettes de charme. Libido, là. Et sinon, j'ai sommeil. Et il veut brouiller les esprits, c'est ça? Il brouille l'essence et embrume l'esprit. Bah sinon, attends, bah je vais tenter une somnolence, quand même. Ça se fait, non? J'ai pas sauvegardé somnolence, what the fuck? Choqué, déçu. Potion de confusion? Mais on l'a pas trouvé, confusion. Ensuite, elle existe peut-être, en effet. J'ai deux fois mana, oui, parce que j'ai des recettes différentes. Mais j'ai encore de la place dans mon bouquin de recettes, hein, là n'est pas le problème. Il y a 12 000 vortex là-bas. Oh, je vais mourir. Ok. J'ai plus que 17 éoflore, mais c'est la Hesse. Regarde dans les objectifs. Non, mais c'est caché dans les objectifs, celle que j'ai pas découverte. Enfin, sauf ici. Ah, potion de hallucination. Oui, c'est vrai que j'ai débloqué le chapitre 4. Potion de hallucination. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'était là aussi, ok. Ah, faut peut-être aller encore plus au nord. Parce que oui, que tant qu'on n'a pas un petit visuel. Quoique non, regardez, là on voit qu'il y a une potion là-bas. Par ouais. Il y a des pointillés là, je les ai vus. Vus. Moi, ce qui me fait chier, c'est que j'ai plus que 17 éoflores. Hein. C'est peu. Voilà une dernière explo, j'y vais. Hein. La VOD va faire 2 heures, faut que j'y aille. Et de baby. Ensuite, si charme est en haut à gauche, ça aurait plus de sens en haut gauche. Hein, donc. Là, je pense que je fais de la merde en barquette. Pour changer. Ah, mais pour aller en haut, j'ai que dalle. C'est très impressionnant. Ah oui, ça se confirme, oui. Ah, j'ai ça. Bravo. J'ai bien envie de passer à droite, là où il y a des milliards de bouquins d'XP. Le truc, ils ont une courbe chelou là. Oh là là, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Oh non, ça c'est beau ça. Oh là, je le dédicace à ma commu celui-là. Attendez, pourquoi je vais par là alors que j'avais dit que le truc était. Si, j'avais. Si, les pointillés sont là-bas, oui. On fait un long détour, mais. On fait de l'XP quoi. Moi ça me va. Non, ça c'est trop. Ça, c'est horrible. Ça c'est honteux. Ça c'est un cauchemar. Au secours! Pas dingue, hein. Ah, ça va servir à R. Ça va servir à R. Oh là là. Oh la dingue. Oh oui!
Ah, ça sera pas assez bien. Et en plus, j'ai bourré. Bravo. Pas grave, ça, j'en ai 2 milliards. Ah, mais il est pas exactement sur la ligne, donc ça va faire un 3. La vie pulsex officielle. Je l'aurai. Vous m'entendez, je l'aurai. En fait, tout ce qui compte, c'est d'être sur la ligne folle. Je vais utiliser un champi rouge. Qu'est-ce que c'est ? Oui ! Bravo ! $300. Avec une petite négo, 405 balles. Ça vaut bien le coup des Balkanis. Hein. On sent que Balkanis, il nous respecte. Oh là, il a l'air pas clair non plus. J'ai besoin d'une potion de soin pour laquelle compter. Oh oui, bah oui, oui. Oui, bon, ça, on connaît. Ça, ça nous emmerde, mais on peut en faire une, oui. Allez, dégage. Dégage maintenant. Ah oui, là, l'augmentation au commerce, même ça, on le vend 67. Ça commence à être correct. Je suis la terreur qui frappe la nuit. Je suis la lame mortelle qui ne manque jamais ses cibles. Je suis la main visible du destin. Enfin, pas tout à fait invisible, je l'admets. Potion d'invisibilité pour un assassin. On peut s'arranger. Le problème de l'invisibilité, c'est que ça va me demander plein de trucs où c'est la merde. J'ai vraiment rien d'autre pour me déplacer en haut. Le coach. C'est un vrai problème. Hein. Et tout ça, c'est pour aller en bas. Au secours. Ça, je peux me déplacer en haut avec, mais c'est vraiment la misère sexuelle, quoi. Et c'est cher. Ça, un peu aussi. Et je pense qu'il va bien me payer, donc c'est legit, quoi. Faut que j'essaye de trouver un craft efficace. C'est vraiment la misère. Ah, il y avait un bail avec ça. Attends, il est où ? Ah oui, en plus. Ok. Ça va être cher cette histoire, mais je récupère pas l'XP, donc c'est vraiment zéro. Bravo à moi. Allez. Hop là. Un peu d'exp. C'est parti pour la percée du champignon mage. Oula. Non, ça c'est un plan huc. Ça je vais crever. Ça, ça se fait. J'aurais pas dû continuer en fait. C'était une grave erreur. I've made a huge mistake. Oh là là. Peut-être avec le champignon spirale de ses morts après. Oh ! Au secours ! Ok. Bravo. Alors, je l'enregistre, mais c'était cher. Alors combien là ? Combien pour l'assassinat ? Oh là là, oui, négocions immédiatement.
Mais c'est une horreur cette négociation, faut mettre des trucs là. C'est bon. C'est une belle journée. Une belle journée de négociation. Et bien voilà. Voilà, voilà. Voilà Twitch, voilà YouTube. Bah ouais, on attend d'en avoir plus, hein, même si là j'ai encore des trucs à faire, hein, la machine machin, surtout commencer à exploiter la machine folle là. Mais oui, ouais. Le jeu est vraiment bien, c'est plaisant, c'est chill, on se pose bien dessus. Mais vivement en effet qu'il rajoute de plus en plus de contenu. Et le jeu sort... Enfin quand tu verras ça YouTube, le jeu sera déjà sorti, mais sinon il sort dans une heure pour vous. Et bisous, au revoir.